mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Hawaii Deep, ça veut dire la forêt. La forêt, pour nous, c'est un lieu sacré où vit la déesse de la chasse et où les esprits de la forêt se reposent. C'est ici qu'on montre aux jeunes générations comment se nourrir. On peut cueillir des fruits, açaï, kushi, péki, et chasser les singes qui vivent dans les arbres. La forêt nous offre tout ce dont on a besoin. C'est notre moyen de subsistance, et encore mieux qu'une école. Cette partie de la forêt, c'est notre territoire. D'ici jusqu'à là-bas, c'est notre territoire. C'est notre forêt et on en prend soin. La colonisation de l'Amazonie a débuté il y a tout juste une quarantaine d'années, quand le Brésil a décidé de désenclaver ce territoire. Incorporá-la ao desenvolvimento nacional é grande programa em que o Brasil está empenhado. Homens, máquinas e recursos são destinados para a abertura de estradas, passo decisivo em sua integração. Assim se fez a BR-163, Cuiabá-Santarém, rodovia de 1.777 quilômetros que o presidente Geisel inaugurou recentemente.
Ce processus a démarré sous la dictature militaire. L'Amazonie appartenait aux tribus indiennes, aux populations traditionnelles. Mais l'État fédéral possédait aussi ce qu'on appelle des terres vacantes. Le gouvernement a encouragé la colonisation privée en fournissant aux personnes qui s'installaient en Amazonie des titres de propriété. Parallèlement, des voleurs de terres ont commencé à s'approprier de grandes parcelles de forêt dans le but de les revendre. Leur méthode est toujours la même. Repérer une grande zone forestière, la déboiser pour bien montrer qu'elle est occupée, et quelques années plus tard, essayer de devenir légalement propriétaire de ces terres appartenant à l'État pour réaliser un bénéfice. Ces usurpations de terres sont orchestrées loin de l'Amazonie, par des groupes, des juristes. C'est une opportunité pour des investisseurs, une sorte de crime organisé. Eu estou em São Paulo, capital. Então, eu estou aqui em Londrina. Aham. Uhum. Eu lembro que quando você foi fazer negócio no começo, eu te falei com você. Você lembra muito bem. Então, ela está subindo. Ela está fazendo por hoje, um até milhão é feito para ela. E eu te falei lá no começo. Então, vai de lá hoje, nem se você pegar o mato, pegar de terra, você fica rico de novo. Você me escuta, porque a primeira vez você não escutou. Le voleur de terre signale sa présence par la déforestation. Son objectif est de pouvoir revendre son exploitation en faisant une plus-value. Donc il envahit la forêt, abat des arbres, vend le bois. Ensuite, il met du bétail en pâturage. Et quand il a acquis une certaine légitimité, 5 ou 10 ans plus tard, il revend sa prétendue propriété. Il faut mettre fin à ces pratiques pour éviter qu'elles ne grignotent davantage les forêts nationales qui ne sont pas encore protégées. Il reste environ 1 million de kilomètres carrés de forêts qui ne sont ni occupées de façon légale, ni classées en aires protégées, ni situées sur des territoires indigènes. C'est ce que recherchent les voleurs de terre. Tant que cet immense domaine forestier restera en quelque sorte vacant, ils seront tentés de s'approprier illégalement une partie de ces terres publiques. Ela é uma rodovia que começou a ser asfaltada muitos anos atrás e depois parou na divisa praticamente de Mato Grosso com o Pará durante muitos anos. Ela ficou ali desde 2004, mais ou menos, ficou parada. E aí depois disso é que veio fazendo devagarzinho, aí veio o programa do PAC. O programa do PAC a coisa avançou tudo mais, lanchou. Hoje, assim, para chegar daqui até no novo, na cidade de Novo Progresso, que é onde a gente está, tem lá uns 28 quilômetros só de terra. Mas é terra que as empresas estão trabalhando. Entendi, não é muita coisa. Lá tem as vicinais, né, que são as estradas que saem da BR principal, da BR-63, que fazem as linhas onde são abertas as fazendas. Então, assim, tem áreas já abertas há mais tempo, tem áreas próximas da rodovia, tem área mais distante da rodovia. Então tem de todo preço. Ça fait 1 kilomètre. Ces traces de tracteur recouvrent celles de notre véhicule d'hier. Il est passé ici après nous et il a dû aller par là. On va surveiller la zone pour empêcher les bûcherons clandestins de revenir. La région autour de Novo Progresso, Castelo dos Sonhos et Itaituba, que l'Ibama est chargé de contrôler, est minée par les crimes environnementaux. «
On peut qualifier cette déforestation de crime organisé. C'est toujours le même mode opératoire. Les cerveaux proposent des transactions à des gens qui ne pensent qu'à s'approprier des terres de façon illégale. La principale cause de déforestation ici, c'est la spéculation foncière. O preço que você pagou no começo, esse será que acha alguma coisa ainda? Não, não acha mais. Não acha mais, né? Não acha mais. Lá é a última fronteira agrícola do Brasil, porque Nordeste, que tinha para mexer, já foi Bahia ali para cima, né? O Mato Grosso, que tinha de roer e fazer soja, já está fazendo. Paraná não tem mais o que mexer. Então a fronteira agrícola brasileira é ali e é no Amapá. Agora no Amapá é 4 mil quilômetros. Ali nós estamos falando em 2.500. On trouve encore beaucoup de faux documents et de données frauduleuses quand on effectue des contrôles. Parfois, ils utilisent des hommes de paille. On doit constamment innover parce que le crime ne cesse d'évoluer. Ces gens-là cherchent des vides juridiques pour qu'on ne puisse pas les inculper. Sur ce registre environnemental rural, le propriétaire a déclaré quelle parcelle était déboisée et quelle parcelle était protégée. Mais en y regardant de plus près, on a remarqué des incohérences et des données erronées. Il a déclaré un certain pourcentage de zones déboisées, ce qui correspond à cette parcelle. Or, si on regarde sur des images satellitaires récentes, ou si on survole la zone, on voit que c'est encore une forêt. Il déclare cette zone déjà déboisée pour lancer son activité, mais c'est lui qui va le faire. Et quand les inspecteurs de l'IBAMA passeront, il prétendra que c'était déjà déboisé à son arrivée. Là, on va à Castelo dos Sonhos, un district d'Altamira. En survolant la zone, on a repéré des scieries clandestines et des tas de bois. Mais bien entendu, ils ont déjà dû faire disparaître tout ça. La plupart du temps, les scieries travaillent avec des transporteurs de bois pour déjouer les inspections. La population locale vit de ces crimes environnementaux du fait de l'inaction des pouvoirs publics. Il est là-bas. Dites aux autres de partir. On embarquera tous ceux qui seront sur place. Allez, filez. Ils ont déplacé le bois pour le stocker. Ils ont certainement caché des grumes dans la forêt. Il est encore ici? C'est lui, là-bas. Là-bas? Alors, expliquez-moi comment ça marche. Est-ce qu'il y a une autre scierie là-bas? Non, non. Tout est là? Suivez-moi. C'est le reçu de l'agent qui a fait l'inventaire du bois. 70 mètres pour celui-ci, 16 décembre 2015. C'est un vieux document. Du vieux bois a peut-être été saisi, mais là, c'est du bois récent. Dites-nous à qui il appartient. Ça vaudra mieux pour vous. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais si, vous le savez, c'est votre parcelle. Ma parcelle va pas aussi loin. Il y a plein d'autres entrées. Vous n'avez qu'à vérifier. Venez voir, il n'y a pas que ma parcelle. Demandez au type qui fait du charbon. Je viens de le laisser entrer. Et cet homme, il a un permis? Ça me regarde pas. Le charbon, c'est pas ma parcelle. Le charbon, c'est pas à vous? Non, c'est pas à moi. Le bois non plus? Le charbon, c'est pas ma parcelle, je vous dis. C'est pas à moi. J'arrête pas de vous le dire. Si, c'est le vôtre. C'est pas le mien. Ma scierie est à l'arrêt depuis plus de 2 ans. Ça m'étonnerait. Vous voyez de la sciure quelque part? Et tous ces tas de bois? Vous connaissez le bois? Vous voyez de la sciure? L'hélicoptère a repéré de l'activité. C'est pas vrai. Mon bois est ici depuis plus de 2 ans. Vérifiez vos images satellites d'il y a 2 ans.
Baissez d'un ton. Lui aussi alors. Baissez d'un ton. On vient faire une inspection. C'est votre entreprise. Alors calmez-vous et comportez-vous comme il se doit. Il ne s'agit pas d'une altercation en pleine rue. On ne va pas en venir aux mains. On vient contrôler votre entreprise, alors c'est pas la peine de... Si c'est pour mon entreprise, pourquoi vous me parlez du bois qui est pas à moi? Calmez-vous. D'abord, on se calme. En quoi je suis responsable du bois qui est pas à moi? Premièrement, c'est votre série. Vous devriez savoir ce qui entre et ce qui sort. On va tout reprendre du début. C'est pas à moi. Chut, écoutez-moi. On va reprendre du début. L'inspection de votre entreprise débute à peine. Si vous vous énervez, on n'y arrivera pas. Calmez-vous. On en a pour la journée. Vous aurez le temps de nous donner les renseignements nécessaires. Il faudra aussi nous dire avec qui vous travaillez ici. Cette opération a commencé en réalité il y a au moins un mois. On a déjà des photographies aériennes, les mouvements qui ont eu lieu sur votre terrain, tout un tas de choses. On vous posera des questions au fil de l'inspection. Plus vous coopérerez, et mieux ce sera pour votre défense. Mais d'abord, il faut vous calmer. Plus vite on s'y mettra, et plus vite on pourra partir. Allons-y. Douze de haut et 6 de large. Essence diverse. 4,55. Et en bas? Ça fait 4,5. Il est mal barré. Il n'a pas de permis d'exploitation et il y a du charbon. Les grumes là-bas sont aussi à lui. Prends des photos. Il va avoir droit à 3 ou 4 amendes. Les grumes dans la forêt, c'est à lui? Ouais. Isso ainda fazendo de pasto. Mas são áreas com pasto antigo. Então ela é fácil de arrumar ela para plantar. Porque o que acontece? Lá, um pouco mais para cima, está saindo o porto de Miritituba, que é do lado de cá do rio Tapajós. Do lado de lá do rio é a cidade de Itaituba. Do lado de pé de Miritituba. Ali está sendo construído os terminais de embarque, escoamento da produção. Para fazer via hidrovia. Hidrovia. Aí vai até o porto de Santana, lá em Macapá. Lá, então, aí vai para os navios e aí parte para a Ásia, parte para a Europa e tudo mais, né? A Amazônia tem mais ou menos... Se on veut sauver l'Amazonie, les 10 prochaines années vont vraiment être décisives. Nos próximos 10 anos. Em parte, essa... On a défini 3 phases. Agenda com 3 phases. La première consiste à ne plus perdre de forêt. Il faut protéger ce qui reste, freiner le rythme de la déforestation et de préférence y mettre un terme d'ici 10 ans. La deuxième phase consiste à se positionner pour remporter la partie, mettre en place une nouvelle économie et permettre des avancées sociales. Et la troisième, plus lointaine, pourrait s'accompagner de victoires plus évidentes. L'Amazonie pourrait être, d'une certaine façon, la solution environnementale du Brésil. Mais elle pourrait être aussi une solution à la crise socio-économique actuelle. Et ça, c'est un objectif à 20 ans. Mais il est fondamental de régler le problème de la déforestation. Est-ce qu'on essaie de le régler? Oui. Est-ce qu'on est capable de le régler? Oui. Pour que l'Amazonie devienne un exemple de développement durable, pour que dans le domaine social, économique ou environnemental, on puisse avancer tous ensemble, nous allons avoir besoin d'investissements fiables et à long terme, et d'un temps de maturation plus long. Ça devrait prendre une 20aine d'années. L'éradication de la déforestation est donc primordiale et devrait s'étaler sur 5 ans. Ensuite, il s'agira de consolider ces avancées. Dans les années à venir, 120 à 200 millions de reais, l'équivalent de 20 à 30 millions d'euros, vont être investis pour financer des centrales hydroélectriques, des routes, des lignes à haute tension et des projets miniers. Jamais on n'avait autant investi en Amazonie.
De tels investissements constituent une menace si ces projets sont implantés sans concertation, sans tenir compte de la situation sociale et environnementale dans la région. Ça augmente la valeur des terres et encourage l'usurpation et la déforestation de terres publiques. On procède à la démarcation de notre territoire parce que le gouvernement ne tient pas à ses promesses. Ça fait plus de 20 ans qu'on revendique ces terres. Des anthropologues de la Fondation nationale de l'Indien, la FUNAI, sont venus pour cartographier notre territoire. Mais leur rapport est encore aujourd'hui sur le bureau du président de la FUNAI. Il y a quelques mois, on est allé à Brasilia demander à l'ancienne présidente de valider ce rapport, qui a été rendu en 2013 et n'a toujours pas été homologué. Le dossier est entre mes mains, sur mon bureau, prêt à être validé. Mais à l'époque où ce rapport a été rendu, il y avait plusieurs projets en discussion dans la région. C'est pour ça que la FUNAI a dû négocier avec d'autres interlocuteurs que vous. Comme vous le savez, il existe un projet de centrale hydroélectrique dans votre région. Avec notamment un barrage qui produirait de l'électricité. Et ce barrage serait tout près de votre territoire. C'est pour ça que ce rapport n'a toujours pas été publié au journal officiel. On ne réclame pas ce qui est à autrui. On défend ce qui nous appartient. J'ai une obligation envers vous. Vous avez raison. Mais j'y crois. J'y crois et je veux y croire. Parce que le jour où je n'y croirai plus, je ne serai plus ici à échanger avec vous. La FUNAI est censée protéger nos intérêts. Notre rôle, c'est de défendre vos droits. Mais la priorité de certaines institutions, c'est de construire une centrale. Pourquoi ne pas privilégier l'éolien? Un barrage, ça détruit tout. Ce sera quoi ensuite? Un projet minier? Les projets se multiplient dans notre région. Ça nous inquiète énormément. Nous, les Munduruku, voulons préserver la forêt et les poissons de la rivière. Et on n'a pas l'intention de céder face au gouvernement. Construire de nouvelles centrales hydroélectriques en Amazonie, reproduire le même schéma, ce n'est pas la solution. Qu'il s'agisse d'hydroélectricité ou de projets miniers, c'est inacceptable. Bien sûr, les centrales hydroélectriques sont importantes pour la production d'énergie et la croissance du pays. Mais un lac de retenue en Amazonie n'est pas sans conséquences. Il modifie le biote aquatique, le biote terrestre et aussi le cycle hydrosocial, c'est-à-dire le lien qui existe entre les populations locales et régionales et l'eau. Nous avons appris à nos dépens, avec les lacs de retenue dans le sud-est du pays, qu'on ne doit pas construire de barrages en série sur un cours d'eau. Si on veut qu'un projet industriel respecte les populations locales en Amazonie, tout en produisant de l'énergie pour le reste du pays, il ne faut pas préserver uniquement des portions de rivières, mais des cours d'eau entiers. C'est le seul moyen de garantir aux futures générations un processus d'évolution pérenne en Amazonie. Ce qui me laisse perplexe, c'est que malgré nos 40 années d'expérience en matière d'infrastructure, on reproduit toujours le même schéma, ce qui génère de vraies tensions dans la région. Autrefois, c'était des gens qui venaient piller nos richesses.
Aujourd'hui, c'est un monstre qui vient désorganiser notre vie. Ce qui est préoccupant, c'est le nombre de lacs de retenue prévus en Amazonie. 92 lacs, c'est excessif. Et ça aura forcément un impact sur les principaux bassins hydrographiques de l'Amazonie. Voilà ce que nous réclamons. La priorité, c'est la démarcation. On a commencé l'autodémarcation après cette réunion. On avait prévenu la présidente de la FUNAI. Ces gens-là sont censés défendre les droits des peuples autochtones, pas les intérêts du gouvernement. Mais on a eu le sentiment qu'elle avait subi des pressions. Alors au retour, on s'est occupé de la démarcation. On veut montrer au gouvernement l'existence du peuple et de la culture Munduruku. Comme la FUNAI n'a toujours pas validé ce rapport, on a décidé qu'on allait se charger nous-mêmes de la démarcation, pour que les Blancs sachent où commence notre territoire. On s'est allié au peuple du Nord, les Tapayos, et on a fait ça ensemble. Si le gouvernement a autorisé ce rapport, ça prouve que nous sommes sur un territoire indigène. Donc cette autodémarcation est parfaitement légale. Quand le Brésil a été colonisé, les peuples autochtones étaient tués par armes à feu. Maintenant, c'est différent. Le gouvernement veut tuer les peuples autochtones, les populations traditionnelles et les descendants d'esclaves en construisant un barrage. Un barrage qui détruit la rivière, alors qu'on dépend de cette rivière. Un barrage qui détruit la forêt, alors qu'on dépend de cette forêt. Sans forêt et sans eau, notre peuple disparaîtra. Il ne reste que cet îlot de forêt. Derrière nous, les exploitants forestiers et les éleveurs ont déjà largement déboisé. C'est pour ça qu'on doit préserver notre forêt. J'ai commencé tout jeune dans le Mato Grosso, comme menuisier. Je me suis même coupé un doigt. Mais je continue à travailler dans le bois. Tout ça, c'est du cambara. Ça sert à faire des planches, des coffrages pour le secteur de la construction. Le bois le plus utilisé à Rio de Janeiro, c'est celui-ci. C'est du Massaranduba. Tout ça. Du Massaranduba. Ça, c'est une autre essence. C'est du Muracatiara. Et là, du Courbaril. Ces bois-là, c'est pour l'exportation. On les envoie à Belém. Ça sert à faire du parquet. Le Courbaril, c'est du bois de qualité. Le Massaranduba aussi, mais il est plutôt utilisé pour des poutres, des chevrons, des planches, des lattes, etc. Ça, c'est de l'IP. Un des bois les plus chers. Sauf que, comme vous pouvez le voir, c'est un bois tout tordu, plein de trous. Mais c'est un des plus chers qu'on trouve par ici. Là, c'est du Kumaru. Aussi pour l'exportation. Un des bois les plus chers après l'IP. Ils viennent de quelle exploitation? Tout ça, ça vient de la Fazenda Santo Antonio. Et tout ce que je viens de vous montrer, les grumes là-bas viennent de chez Monsieur Harry. On a du bois de 4 exploitations différentes. Celui-ci vient de la Fazenda Alto Brio do Pará. Elle est située où?
Vous prenez la route en direction d'Itaïatuba, vous faites 18 km, et ensuite vous prenez la sortie. C'est à environ 40 km d'ici. L'autre, elle est à 28 km. C'est pas loin du tout. Ça, c'est arrivé hier. La facture est encore sur mon bureau. Je ne l'ai pas entrée dans l'ordinateur. Ces deux-là, c'est du court baril. Ça, du Muraka Tiara. Ça, c'est du Garapa. Encore du court baril. On n'a que du bon bois par ici. Et vous avez tous les documents au cas où il y aurait un contrôle? Bien sûr, on a la facture, tout est réglo. Sinon, on ne pourrait rien expédier. Si j'envoyais du bois à Belém sans sa facture d'origine, il serait refusé. Et en plus, les acheteurs ne payent que si les documents sont complets. Il faut que la provenance du bois, le nom de l'exploitation, soit noté. Sinon, ils ne le prennent pas. Cette facture est arrivée hier de la Fazenda Santo Antonio. Il y a la provenance, les essences, Amapá et Courbaril. Et là, c'est la quantité totale. 23 529 mètres cubes de grumes par camion. Aujourd'hui, le commerce de bois illégal prend une apparence de légalité parce qu'il est couvert par un tas de documents frauduleux. Par exemple, l'État du Pará a toujours importé énormément de bois. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il importe réellement du bois? Non, il importe des documents qui serviront pour le bois qui a été coupé illégalement dans cet État. Il y a de faux documents parce qu'il n'y a aucune gestion des forêts et pas de propriété privée. Comment voulez-vous lutter quand vous n'avez aucune base légale sur laquelle vous appuyez? Les contrôles sont censés protéger les activités légales. Mais là-bas, ça n'existe pas. Dès qu'une route est construite, avec d'un côté des aires protégées et de l'autre des territoires indigènes, les voleurs de terres se précipitent pour s'approprier les terres vacantes. Ce sont les premiers sur place. Alô, gente boa. Alô? E qual que é o tamanho daquela fazenda ali de céu azul? 760 ao quê? 760 ao quê? Qual que é o valor dela? Você já tem o valor dela? 20 milhões. 20 milhões, tá, joia? Eu tô mexendo no negócio aqui. Tá. Obrigado, tá. Tchau. Valeu, um abraço. L'Amazonie est loin d'être sauvée. C'est un problème qui perdure. Aujourd'hui, le ministère ne sait même pas quels permis de déboisement ont été octroyés par les États. Notre préoccupation, ce n'est pas de régulariser telle ou telle propriété, c'est d'éviter la déforestation. Il y a une loi et elle doit être appliquée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. Les voleurs de terres, les occupants régularisés et les propriétaires légaux. Il faut les différencier, séparer le bon grain de l'ivraie. Comme je le disais à mes proches, les politiques ne vont jamais s'apercevoir du changement climatique. Vous savez pourquoi? Ils travaillent dans des bureaux climatisés. Ensuite, ils prennent leur voiture climatisée pour rentrer dans leur logement climatisé. Pour eux, rien ne change. Il faut que les peuples autochtones s'expriment haut et fort et que nous nous taisions, que nous écoutions ce qu'ils disent. Ce ne sont pas les maîtres du Brésil ou de quoi que ce soit. Ce sont les gardiens de la forêt. Ils se confondent avec le Brésil. Ils sont l'Amazonie, comme ils étaient autrefois la forêt atlantique. Ils sont la terre sur laquelle ils vivent. La terre ne leur appartient pas, ils viennent de la terre.
À nous de les écouter quand ils disent que nous habitons sur la Terre et qu'elle ne nous appartient pas. La planète peut parfaitement exister sans nous, mais nous, on a besoin d'elle. Nous considérons le Rio Tapajós comme notre patrimoine. Cette rivière n'a pas été créée par hasard. Elle est née de quatre graines de Tucumã que notre créateur Caro Sacaibo a déposées sur Terre. Caro Sacaibo était un guerrier et tout ce qu'il pouvait créer, il le faisait. Il a transformé la moitié des hommes en cochons et l'autre moitié en poissons pour protéger les Mundukuru du manque de nourriture. Le lieu de traversée des cochons, c'est la zone que nous sommes en train de démarquer. L'Amazonie, dans l'imaginaire des Brésiliens du littoral, c'est une sorte de jardin. C'est l'arrière-pays. Alors qu'en réalité, c'est un des berceaux les plus anciens de la civilisation sud-américaine. La plupart des tribus amérindiennes qui ont peuplé et peuplent notre continent étaient originaires de cette région. C'est là que sont apparues de grandes inventions technologiques et culturelles, plus ou moins en même temps que sur le vieux continent, comme la céramique, l'agriculture, etc. C'est une région qui nous est toujours apparue comme peu peuplée, une région inhabitée. Or, cette faible densité démographique est la conséquence de l'invasion européenne, de l'arrivée de l'homme blanc. L'Amazonie était une région peuplée. La forêt amazonienne a évolué en même temps que les populations qui l'habitaient et qui l'habitent encore. Tous les fruits et les plantes dont on vante si souvent les vertus, comme la noix du Brésil, le palmier babassou, le bacuri d'Amazonie, le cupuaçu ou le palmier pêche, sont en réalité des plantes qui ont été sélectionnées, se sont reproduites et ont proliféré grâce aux pratiques agricoles traditionnelles des Indiens d'Amazonie. Autrement dit, une bonne partie de la forêt amazonienne a été façonnée par la présence humaine. Mais contrairement aux descendants des Européens qui ont envahi l'Amérique, ces populations ont permis de faire prospérer l'Amazonie. Elles ne l'ont pas détruite, comme nous le faisons actuellement. L'Amazonie est donc le résultat de la convergence, de l'alliance entre des millions d'espèces, dont la nôtre. C'est l'aboutissement d'années de négociations, de dialogues entre des êtres humains et des êtres vivants non humains qui cohabitent ici depuis des millénaires. Je ne sais pas si l'Amazonie est le poumon du monde, mais c'est indéniablement le cœur du Brésil. Cette rivière devient mon corps. Pourquoi je dis ça? Parce que la rivière, c'est le corps de tout le monde. Ces ruisseaux, par exemple, ce sont nos veines. Les bûcherons détruisent la source des ruisseaux. Et la rivière est en train de mourir. Les ruisseaux qui s'assèchent en premier sont les affluents du Rio Tapajós. D'ici 100 ans, on se battra pour l'eau. Então, a infraestrutura para fazer lá, madeira você não compra. Você vai comprar o quê? É parafuso, arame e pagar a mão de obra do cara fazer cerca. Esse é o jeito mais barato de conseguir
uma boa área, porque eu falo pra você que o cara que era do boi do Mato Grosso, ele transformou tudo em soja e tá indo pro Pará atrás de terra com boi. Porque com 1 milhão, se eu for lá pra comprar uma área formada, você não vai achar não. Os caras já falam em 10, 12. Hoje ela já se paga já com arrendamento. Lá a gente tem proposta, não, são pessoal que ia arrendar, vai fazer um contrato já de arrendamento de 10 anos. 4 anos no boi e daí 6 anos pra soja. Cette écoute téléphonique est très intéressante parce qu'elle montre bien la dynamique de la région amazonienne. Comment s'approprier illégalement des terres, comment contourner les contrôles de l'IBAMA, comment faire régulariser ces terres. Les contrevenants comptent sur un assouplissement de la loi. Les amendes antérieures à 2008 ont déjà été annulées et ils espèrent d'autres amnisties dans les années à venir. Donc, ils déboisent pour développer leurs activités. Certaines personnes de la région ne s'en cachent même pas. Si vous ne pouvez pas desmatar légalement, vous avez sua propriété, vous êtes ali sobretendo ela. Vai acontecer naturellement. Je me arrependo de ter feito uma coisa, às vezes, ilégale. De ter desmatado, eu não me arrependo, porque isso é o ideal. Se nós não desmatássemos, não existia o Brasil, não existia nada. Nous tous ici, exploitants agricoles, on est des voleurs de terres, puisqu'on occupe des terres du domaine public. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un est venu nous demander si c'était à nous. Je suis un voleur de terres. Je suis installé ici depuis plus de 30 ans. J'ai une fazenda. Ça fait 20 ans que j'attends une régularisation. N'importe quel procureur me qualifiera de voleur de terres puisque je me suis installé ici. La question environnementale est un obstacle, parce que la loi sur l'environnement n'est pas appliquée, et les pouvoirs publics font tout pour qu'elle ne le soit pas. L'IBAMA n'est pas tenu de résoudre ce problème et ne veut pas le faire. Les agents préfèrent nous sanctionner et nous mettre des bâtons dans les roues. Si on était régularisé, il n'y aurait plus de travail. Dois negócios do Ibama, uma de 6 milhões e uma de 1.220.000. Dá onde tem? Santarém. Então, beleza. Vim lá na casa, mas tem. É melhor ter 1.320.000, tudo bate a feira, tá que tem. É, mas não vai ficar junto, não. Daqui você tem que recorrer. Daqui o advogado tem que recorrer. O que você tem que sair tudo é da negócio lá do trabalho escravo. É, então tá, beleza. Falou. On était en opération pour récupérer des biens saisis, des tracteurs qu'on avait immobilisés. Mais les criminels nous attendaient, cachés dans la forêt. L'agent de police s'est aperçu que quelqu'un se cachait dans la forêt et il a voulu y aller. Malheureusement, le criminel était armé et il a tiré avec son fusil de chasse. Le policier a été tué. Déboiser, ça coûte cher, surtout à grande échelle. Dans la région de Novo Progresso, la déforestation s'étend sur 10 000 hectares. Pour une telle superficie, il faut une vraie logistique. Des centaines de personnes, des machines. Les gens qui gèrent ça ont beaucoup d'argent. Quand le ministère public veut intervenir, comme il ne peut pas arrêter quelqu'un pour déforestation, il poursuit la personne pour crime en bande organisée, détournement de fonds et tout un tas de choses impossibles à prouver. Le procureur ne se gêne pas pour arrêter les gens. Il a tous les pouvoirs. Qui est le plus grand vendeur de fazenda aujourd'hui du Parazão? C'est le cas, le cas de bajoulard, c'est. Entendeu? Por que você tem um probleminha daqui ou dali? Porque você feita tudo, você resolve tudo, você faz tudo. Porque eu faço, ninguém. Nenhum entra e faz. Entendeu? É, lá na frente, todo mundo sai arrumado, todo mundo respeita, todo mundo dá certo, entendeu? Agora, boca de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Manda aí um gabilho que vem servindo uma fazenda sem gabilha. Não tem. Isso que eu ia falar pra você, não tem. Agora, viu? Comprar tem arrumadinho, com escriturinha, pagar no dinheirinho, coisa. Cadê que ele fala um negócio desse?
On avait identifié des personnes qui possédaient une entreprise de déforestation. On a donc enquêté sur les crimes qu'elles avaient pu commettre. Blanchiment d'argent, faux et usage de faux, évasion fiscale. En matière de crimes environnementaux, on n'enquête pas uniquement sur l'aspect écologique. Comme les terres en Amazonie coûtent beaucoup moins cher que dans le sud du pays, ça attise la cupidité. Donc des investisseurs achetaient des terrains et cette société leur fournissait de faux titres de propriété. Tem lá o CARC, o Cadastro Ambiental Rural, para você poder pôr gado para dentro, para você poder ter vítimas de animais e tal. Depois tem o APAR, Autorização de Funcionamento da Atividade Rural. Depois vem a Licença Ambiental, mas tudo isso tem tempo e depende também dos órgãos. Depois do licenciamento ambiental, aí você pode pedir o título da terra. Pedir o título da terra é questão também de aguardar o tempo que os documentos saem. Les premiers temps, l'occupation illégale des terres peut se faire à distance. Quelqu'un repère une grande parcelle de forêt nationale et décide de s'approprier ces terres. Mais il faut une présence physique sur place. Un intermédiaire engage alors toute une équipe, non seulement pour déboiser, mais aussi pour sécuriser la zone. En général, ça se fait en trois étapes. D'abord, ils installent des panneaux pour signaler leur présence et défendre leur parcelle. Si d'autres voleurs de terre étaient sur le coup, ça peut engendrer des violences. Si une personne envahit des terres qui semblaient vacantes, mais qui appartiennent à quelqu'un, à une communauté, à une population traditionnelle, ça crée des tensions. Ce n'est pas par hasard qu'on note une flambée de violence dans les zones rurales en Amazonie, en particulier dans les régions touchées par les appropriations illégales de terres. Il y a un lien de cause à effet entre usurpation des terres, déforestation et violence en Amazonie. S'ils nous attaquent, on se défend. S'ils ont des bâtons, on sort les bâtons. S'ils ont des couteaux, on sort les couteaux. S'ils ont des chiens, on lâche les chiens. Mais on les vire. Si ça finit bien, tant mieux. Sinon, tant pis. On s'est battu 18 ans contre l'occupation illégale de notre territoire. Les gens de notre communauté sont nés et ont grandi ici. Leurs arrière-grands-parents ont vécu ici jusqu'à leur mort. Mais nos terres tout autour de nous étaient occupées illégalement. Depuis Cuiabá et jusqu'à ces collines, au-delà de la rivière Yamanchim. Il y avait des panneaux partout, des arbres coupés. Ces voleurs de terre et ces pilleurs de bois ne respectent rien ni personne. On s'est allié aux Indiens Munduruku pour défendre ensemble notre rivière Tapajós et lancer la campagne de démarcation du territoire. Nous vivons exactement comme les tribus indiennes. La forêt nous fournit de quoi vivre. On vit de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. On cultive des pommes de terre, de l'igname. Il n'y a aucune différence entre la culture des paysans traditionnels d'ici et celle des Munduruku. Bonjour à tous, les guerriers, chef Juarez, votre équipe. Je tiens à vous rappeler l'importance de cette campagne. C'est le moment d'être unis et forts, parce que le territoire de Mangabal est unique et que nous devons tous nous battre pour le protéger. Si nous ne défendons pas nos terres, nous risquons de les perdre. Que ceux qui sont prêts à venir dans la forêt
Lève la main. Moi, je suis partant. José Borges. Qui d'autre? Francisco? Qui d'autre? Solimar. Solimar. Tous ceux qui sont partants, approchez. Il y a combien de familles dans la communauté? Si on n'est que 5, 6 ou 10 personnes, ça ne suffira pas. Il faut que les gens de la communauté se sentent impliqués. Cette terre ne nous a pas été donnée, nous l'avons conquise. Mais si nous, les habitants de Montagna et Mangabal, on ne se mobilise pas, on va tout perdre. Ce que je suggère, c'est que des gens qui sont partants, comme Francisco, Solimar ou Rosénine, aillent frapper aux portes pour convaincre d'autres personnes de participer. On peut prendre un bateau et aller voir les gens pour les recruter. Si on fait ça, ils n'auront pas d'excuses. C'est dans le coin? Je crois qu'il est dans l'autre maison. Bonjour à tous. J'aimerais vous expliquer ce que c'est que la démarcation et pourquoi c'est important. Pour nous, c'est important que vous ayez un territoire garanti pour l'avenir. On s'est battu pour faire reconnaître le nôtre et vous devez vous battre à votre tour. On voit de plus en plus d'orpailleurs, de clandestins qui travaillent sur nos terres. Si vous êtes expulsé à cause de ces appropriations de terres ou des projets du gouvernement, ce sera compliqué pour vous. On est là quel week-end. On n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Vous devriez nous donner un coup de main. On a besoin d'aide. Si vous avez besoin de nous, on sera là. On est ici pour les aider, pour leur apporter notre soutien et les encourager. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Peu importe de quel territoire il s'agit, les deux sont menacés et nous risquons de les perdre. Nos territoires sont situés l'un en face de l'autre. Bonsoir à tous. Depuis notre première réunion sur la démarcation, on a obtenu une carte. Alors on va regarder ensemble comment on fait pour arriver jusqu'au ruisseau, dans la montagne où on va commencer notre campagne. Il faut passer par la montagne, prendre l'embranchement et après il suffit de marcher sur 2 km. Quand on a effectué la démarcation de Saoré Maïba, on est tombé sur des orpailleurs et des bûcherons clandestins. Mais on leur a dit qu'on ne voulait pas de problème avec qui que ce soit et qu'on délimitait simplement notre territoire. Si on tombe sur des gens et qu'on discute avec eux, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je pense que les gens qui viennent par ici sont déjà au courant de cette campagne de démarcation. Ce que je propose, c'est qu'on passe par ce chemin et qu'on continue par là. Ensuite, on revient par la route pour emprunter cette piste et redescendre. Une fois dans la montagne, on grimpe par la route et on redescend par ce chemin. On arrive tout au bout, là où il y a cette ligne blanche. Et ensuite, c'est parti.
Si vous avez des nouvelles, utilisez la fréquence Yatoba. On reste à l'écoute. Bien reçu. C'est parti, les amis. Des friches d'ici jusqu'au point rouge, là-bas. On a déjà dégagé 500 mètres. On comptait pas venir. C'était pas prévu. On était à la réunion, mais on n'était pas décidé à venir. Alors on est rentré chez nous. Et puis finalement, ils sont passés nous voir. On a cédé. Là, j'ai dit, si personne d'ici y va, ce serait bien qu'on leur file un coup de main. Et après notre semaine de boulot, on y retournera. Grimpe sur les épaules de quelqu'un. Tiens-le. C'est trop haut, non? Attache-le. Oui, avec la liane. Ça, c'est le ruisseau. Pour l'instant, on est là. Et il faut qu'on aille jusqu'à ce point, le numéro 12. Les femmes autochtones s'engagent de plus en plus dans la lutte. Parce que ce gouvernement fait n'importe quoi. Les femmes se sont rendues compte que pour leurs enfants, c'était important qu'elles se battent. Mais quand elles veulent participer à des opérations, c'est plus compliqué. Si des femmes vont manifester avec leurs enfants et qu'il y a par exemple des jets de gaz poivré, elles doivent courir avec les enfants dans les bras. C'est pas facile. Pourtant, elles ne lâchent rien. Elles se battent pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de toutes les générations futures. On est ici chez nous, sur notre territoire qui a été détruit. Nous, les femmes Munduruku, on s'est réunis avec les femmes caciques, avec nos enfants, pour dire au gouvernement qu'ici, c'est chez nous. C'est l'endroit que nos grands-parents, que nos ancêtres nous ont laissé. C'est notre territoire sacré. Et le gouvernement a détruit tout ça. On est ici pour montrer notre position en tant que Munduruku et en tant que femmes. Mon père n'est pas indien. Il n'y a que ma mère. Moi, j'aurais préféré être indienne à 100%. Je suis fière de mon sang indien. Je sais qu'un jour, moi aussi, j'aurai des enfants. Et je veux leur laisser cet endroit. Pas comme aujourd'hui, avec ces voleurs de terre, ces coupeurs de bois, ces chercheurs d'or qui envahissent notre territoire. On veut que tous ces gens s'en aillent, parce qu'ils font fuir le gibier. Et pour nous, c'est pas bon. Rapaziada, eu tô no trânsito agora aqui, de Sorriso, e eu encontrei 16 caminhonetas sujas subindo para Santarém e mais duas cegonhas que descarregaram em Sinop. A informação que eu tenho é que são 60 caminhonetas do Ibama subindo para o Pará.
14, non? Il y en a deux qui restent ici et trois qui entrent. Et on change de fréquence. Celle-ci? Ouais, c'est leur fréquence. Ils sont déjà en train de parler. Cabeça, Simone, 55, Cuyabano, Guayabera. Vous arrivez de quelle fazenda? Je sais pas comment elle s'appelle. Elle est à mon cousin. Elle est à combien de kilomètres? 4 ou 5 kilomètres. Dans ce cas, garez votre moto sur le côté. On va aller vérifier tout ça. Si c'est à 4 kilomètres d'ici, montez sur le plateau du pick-up. Et vous allez nous indiquer le chemin. On recense environ 25 000 sites de déforestation par an, la plupart du temps liés à des activités illégales. En cause, la spéculation foncière, la concentration des terres agricoles et l'occupation illégale des terres publiques. L'abattage des arbres n'est que le début de l'opération. Et ça concerne d'énormes superficies. On a repéré quelqu'un qui détient illégalement 30 000 hectares. C'est une source de profit pour lui et un préjudice considérable pour la forêt. Prenons Ezequiel Castagna, soi-disant coupable de déforestation illégale. Il lui avait déjà infligé des amendes, mais il ne pouvait pas l'arrêter pour ça. Alors ils l'ont coincé pour fraude fiscale. Mais ils ont été obligés de le relâcher. La définition de la déforestation illégale est trop imprécise. Le déboisement, ça a toujours existé. C'est ici la fazenda de votre cousin ? Oui, là-bas, il y a le hangar qu'il est en train de construire. Et plus bas, il a un autre bâtiment. On n'a rien contre vous, les ouvriers. Mais c'est illégal, et vous le savez. Vous arrivez d'où? Vous allez nous montrer où vous travaillez. Garez votre moto sur le côté. Montez à l'arrière du pick-up et vous allez nous guider. C'est la prochaine à gauche. Par là! Les motos sont à vous? Ouais. On va brûler tout ça. Ils vous payaient combien? Moi, 3 000 reais pour couper le bois. Et toi? 1 600. Par mois? Oui. Récupérez vos affaires parce qu'on va démanteler ce campement. On est sur des terres indigènes. Personne ne peut s'installer ici. On vous laisse prendre ce qui est à vous et le reste, on va le brûler. Et on va chercher les machines. Il faut trouver le tracteur. C'est un tracteur avec un chargeur. Ils savent qu'ils peuvent se faire arrêter. D'ailleurs, il y a une radio sur le tracteur. Donc ils savaient qu'on arrivait. C'est pour ça qu'ils sont partis. On bosse depuis 15 jours. C'était notre dernier jour. Et ils vous ont arrêté sur la route? Ouais. Vous étiez payé combien ici? Rien pour l'instant. Il va falloir qu'ils me payent. Il va vraiment falloir qu'ils me payent. Je suis censé toucher 1 600 reais.
Les clandestins sur les terres indigènes sont mieux payés qu'ailleurs. Mais ils savent que c'est illégal et plus risqué. Leur employeur peut les payer plus cher parce qu'il fait un bénéfice énorme. Sur un territoire indigène qui n'a jamais été exploité, il y a des essences de bois très chères. Un ange lime se vend plus de 10 000 reais. Ici, les arbres ne lui coûtent presque rien. Il trouvera toujours des gens qui accepteront. On savait que c'était interdit, mais quand on ne sait pas lire, on prend ce qu'on trouve. Il n'y a pas d'autre boulot par ici. De quoi on va vivre? Quand Alvorada sera une ville morte, que les agents de l'Ibama seront partout, les gens crèveront de faim. Ceux qui ont une maison ne pourront pas la vendre. Ceux qui ont un terrain, c'est pareil. Ce sera foutu. Bien sûr, si on pouvait éviter de couper des arbres, de toucher à quoi que ce soit, on le ferait. Aujourd'hui, si tu n'as pas de diplôme, tu ne trouves pas de boulot. Et si tu t'es arrêté en primaire comme moi, tu vas bosser où? Ben, tu te retrouves ici. Mais c'est comme ça. T'as pas le choix. On va les embarquer, prendre leur nom et vérifier leurs papiers. Leur témoignage sera important pour qu'on puisse inculper leur patron. On sait qu'il a une exploitation forestière. Pour ce qui est du tracteur, c'est interdit sur les terres indigènes. Mais on ne va pas pouvoir le déplacer, vu son état. Dans ce cas-là, si on doit laisser les machines, mais que des gens pourraient continuer à les utiliser et nuire à l'environnement, la loi nous oblige à les détruire. Et c'est ce qu'on va faire. L'invasion des forêts publiques est une industrie. Elle dépossède le peuple brésilien de son patrimoine. Le pire, c'est que cette spoliation du domaine foncier public et cette déforestation freinent les investissements nécessaires à l'Amazonie. La criminalité progresse et le Brésil recule. Les amendes de l'Ibama ne suffiront pas plus que les actions en justice pour réclamer une indemnisation. Quand on pourra agir rapidement et efficacement, la société sera mieux protégée. Au Brésil, on ne peut pas protéger les droits fondamentaux des citoyens si on ne punit pas de façon adéquate et rapide les criminels. La question environnementale est une question très complexe. Je fais toujours cette comparaison intéressante. Qu'est-ce qui me garantit que la génération future s'intéressera au fait qu'on ait préservé l'Amazonie? Qui peut me le garantir? Je vais prendre un exemple. Est-ce que les dinosaures vous manquent? Les quoi? Les dinosaures. Non. Ils ne vous manquent pas. Si vous aviez été là à l'époque pour dire aux gens qu'il fallait absolument protéger les dinosaures, si on en avait encore, on les protégerait. Mais est-ce que les générations futures en voudraient ?
L'Indien est une figure du passé. L'aborigène australien est une figure du passé. En réalité, ce sont peut-être eux qui survivront. Ou plus précisément, leur mode de vie modeste, humble, respectueux, qui considère l'homme comme un simple élément d'un ensemble bien plus vaste. Il est possible que ce soit eux les seuls survivants quand sonnera la fin de cette civilisation occidentale telle qu'elle a été universalisée, généralisée, globalisée. Ces peuples autochtones, ces cultures, sont sans doute notre avenir plutôt que notre passé. Ce sont eux qui peuvent nous apprendre des choses, contrairement à ce qu'on prétend si souvent quand on dit qu'on va civiliser les Indiens. C'est plutôt aux Indiens de nous civiliser. Je trouve que les indigènes brésiliens sont essentiels pour nous tous. Dans le sens où ce qui fait de nous des Brésiliens, des gens différents de cette forme de vie qui détruit la planète, ce qui nous permet d'imaginer un avenir différent pour le Brésil, c'est le fait que nous ayons encore dans notre pays des gens qui vivent d'une manière intelligente. C'est super dur ici. Vous qui nous regardez là, c'est dur ici. Regardez ces visages fatigués, découragés. On doit manger du sucre. On n'a plus de manioc. Et s'ils viennent pas? On s'était donné rendez-vous ici, à 2 kilomètres de l'embranchement. Mais ils sont toujours pas là. On commence à s'inquiéter, alors on s'organise pour aller à leur rencontre, à mi-chemin. Du point 10 à 100 mètres d'ici, jusqu'à Jutaí, il y a 385 mètres. C'est tout près. On y sera bientôt. Si nous voulons mettre fin définitivement à la déforestation en Amazonie, nous allons devoir protéger rapidement, c'est-à-dire d'ici 5 à 10 ans, toutes les terres encore vacantes qui risquent d'être occupées illégalement. Elles sont situées principalement dans les états du Pará et de l'Amazonas. Une bonne partie pourrait être conservée en tant que forêt. Et ce, en créant des aires protégées, des réserves pour les populations traditionnelles, des réserves de développement durable, toutes sortes de zones protégées qui garantiraient des terres aux communautés locales et accéléreraient le processus de régularisation. Ce qu'il faut éviter, c'est une privatisation de ces terres parce que ça créerait un précédent pour la déforestation. Si ces terres devenaient privées, chaque propriétaire installé sur ce qui est encore aujourd'hui une grande forêt aurait le droit de déboiser à hauteur de 20%. Donc, en théorie, si 1 million de kilomètres carrés était privatisé, 200 000 km², quasiment la superficie d'un État comme celui de Sao Paulo, pourrait être déboisé en toute légalité. Cela donnerait un nouvel élan à ce fléau qu'est la déforestation en Amazonie. Autrement dit, ces forêts inoccupées qu'on appelle « terres sans maîtres », mais qui en réalité appartiennent au peuple brésilien, doivent être conservées dans le domaine foncier public. Elles doivent être débarrassées de toute activité criminelle, puis saisies et classées comme aires préservées. C'est une priorité. C'est un objectif essentiel à court terme.
On attendait cette démarcation depuis longtemps. Alors aujourd'hui, c'est une victoire pour nous. C'est qu'un début, mais on compte bien continuer à délimiter notre territoire. Tes fils étaient en train de pleurer. Tu crois qu'on va réussir à défricher? On est arrivé à l'embranchement. Si vous voyez ma famille, dites-lui que tout va bien. La seule chose qui a manqué, c'est la nourriture. On a fini le manioc quand on était dans le camp. Lequel? Celui d'hier. On n'a plus de manioc? Eh non. Et pour le bois? On a vu un chemin bien piétiné. Je ne sais pas si c'est des bûcherons, mais on a entendu des machines toute la journée hier. Mets-le sur ce tronc-là. Les motos n'ont même pas de plaque d'immatriculation. Les camions non plus. C'est tous des clandestins. Et c'est pire depuis qu'on a ce nouveau gouvernement. Des bûcherons, des cueilleurs d'açaï, des pêcheurs. On en voit de plus en plus maintenant. Et nous ici, qui nous considérons comme les gardiens de la terre, ça nous inquiète. Ils sont en train de piller toutes les richesses de la forêt pour les exporter. Récemment, on est allé défricher les frontières de notre territoire pour ne pas les laisser à l'abandon. Et on a croisé plein de gens sur nos terres, surtout des gens qui déboisaient pour transformer la forêt en pâturage et élever du bétail. Notre frontière s'est retrouvée au milieu des parcelles déboisées. Ils nous ont dit qu'ils avaient abattu beaucoup d'arbres et qu'ils étaient prêts à négocier. Je leur ai répondu que je n'étais pas là pour négocier. Nous, on a travaillé ici. Alors on fait comment? En attendant de trouver une solution, on peut peut-être récupérer nos arbres, non? On ne touche plus à rien, mais on sort ce qu'on a déjà coupé. Est-ce qu'on peut s'arranger? Qu'est-ce qu'on fait? On négocie pas, c'est comme ça. À Brasilia, c'est le gouvernement qui décide. Ici, c'est nous. Ils sont partis avec tout leur matériel à 1h du matin. Nos guerriers aussi étaient là pour les surveiller. On a pas mal de problèmes avec les bûcherons. Quand on essaie de défendre nos terres, de les préserver, ils nous menacent, même de nous tuer. J'ai eu peur, parce qu'on était devant les guerriers, avec nos caméras. On aurait été en première ligne si les bûcherons clandestins nous avaient attaqués. J'ai vraiment eu peur. Mais on a tenu bon. Et on a réussi. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de faire la démarcation de notre territoire, pour protéger ces terres. Sinon, comment allons-nous survivre? Et comment vont-elles survivre, les générations futures? Un guerrier ne pleure pas. Un guerrier doit être fort. Je me sens plus brésilien que les Brésiliens. Parce que je viens de la terre. Mmh.
Courage, guerrier. O que se odeia no índio não é apenas o ocupado espaço. O que se odeia no índio é o puro animal que nele habita. É a sua cor em bronze arquitetada, a precisão que a flecha voa e abate a caça, o gesto largo que abraça o rio, o gosto de afagar as penas e tecer o cocar. O que se odeia no índio é o andar sem ruído, a presteza segura de cada movimento, a eugenia nítida do corpo erguido contra a luz do sol. O que se odeia no índio é o sol. A árvore se odeia no índio. O rio se odeia no índio. O corpo a corpo com a vida se odeia no índio. O que se odeia no índio é a permanência da infância. Comigo, que eu não ando só, eu não ando só, que eu não ando só. Eu tenho zumbi, besouro, chefe dos tupis, sou tupinambá. Tenho zereis, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curare, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu. Silêncio, à espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. Em meu coração, Maria acende sua luz. E me aponta o caminho. Não ando no breu, nem ando na treva.